Parler de la guerre aux enfants, c'est aussi rappeler que les enfants sont victimes directes des guerres. Alors, les enfants sont victimes directes des guerres, ne serait-ce que dans la problématique de, avec les parents, est-ce qu'on reste dans le pays ? La problématique s'est posée en Ukraine, ou est-ce qu'on sort du pays ? Si on sort du pays, on s'abstrait de sa vie d'avant, on laisse sa maison et peut-être on ne la retrouvera pas, on va dans un pays étranger où on va être peut-être scolarisé, mais pas sûr. Si on reste sur place... C'est évidemment jamais facile. Et sur place, on risque... On risque la de pénurie, mourir. La maladie, la mort. Exactement. On risque d'être déplacé. On risque aussi de devenir enfant soldat, ce qui s'est passé beaucoup en Afrique. Et donc, cette problématique, elle est écrasante et elle coupe l'enfant en deux. Enfant soldat et toxicomane, d'ailleurs, parce que très souvent, on n'en voit pas un enfant de 12 ans ne s'envoie pas lui-même de gaieté de cœur avec un fusil pour tuer d'autres gens. Et souvent ils prennent des trucs. On a tué ses parents, lui a mis une arme, on l'a drogué et on lui a dit « vas-y, sinon tu meurs ».